Je le savais qu'il y aurait un estomac gourmand pour entendre l'appel de mes crêpes légendaires. Non, non, je dis « wow » à cause de ce que tu chantes. Mais s'il y a des crêpes, je dis « wow ». C'était quoi la toune? Juste des échauffements vocaux. À chaque fois, tu dis ça. Puis à chaque fois, je me dis que je pourrais composer des chansons écœurantes juste avec tes échauffements. Mais parlant de chansons écœurantes, là, quand est-ce que je vais pouvoir enfin entendre les bannis, tous réunis, je veux dire? On a justement une répétition aujourd'hui. Tu vas pouvoir entendre la chanson qui nous a fait gagner le concours de l'école l'an dernier. Oh, moi aussi, quand j'étais plus jeune, là, je gagnais tous les concours. Il est 6h15 du matin, là. Heure de l'Est, je suis au courant. Oh, des crêpes! Bonjour. Il y en a qui ont le don de se rendre indispensable. Excuse-moi, je voulais pas te réveiller. C'est pas grave, il est quelle heure? Il est 8h, là. Puis donc, t'es-tu trouvé un travail de vente par téléphone? Non, mais il serait temps qu'on engage une réceptionniste, par exemple. Le téléphone n'a pas arrêté de sonner. Ah oui, des appels importants? Non. Karine qui voulait des conseils pour sa garde-robe. Thomas pour Simon. Ah, Chloé pour Manolo. Puis je me suis endormie quand Jeff a téléphoné pour me souhaiter bonne nuit. Tu t'es endormi quand Jeff a dit bonne nuit. C'est quoi l'affaire, un truc d'hypnose par téléphone? Dis-moi donc, est-ce qu'il y a eu des appels pour l'appartement de ma mère? Oui. Il y a un monsieur qui a téléphoné pour dire que l'appartement sur la rue de l'église est déjà loué. Je pense que c'est tout, patron. Sais-tu, le poste de réceptionniste, ce serait une bonne chose à ajouter au tableau des tâches. Tu sais, le tableau des tâches, là, que t'es censé me remettre depuis 2 jours. Je le sais, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de tâches puis beaucoup de monde à placer, mais je vais le terminer ce soir, promis. Oh, jeune dame, vous prendrez congé lorsque vous m'aurez remis ce tableau indispensable au bon fonctionnement de notre famille. Ah, et vous me payez combien, déjà? Mais Célina, c'est toi-même qui s'est proposée en me disant que t'avais trouvé une idée géniale, super simple et efficace pour répartir les tâches. C'est vrai que j'avais pensé à quelque chose d'assez simple. Manolo doit laver les planchers avec ça. Simon doit récurer les toilettes tous les jours. Et ça, c'est pour que Marianne nettoie les tapis. Nathan se charge des crocs! Bravo! Tandis que moi, je me charge du plus important. Allô, Jeff? Qu'est-ce que tu dirais d'aller au cinéma aujourd'hui? Ah oui! Assez simple, mais pas très réaliste. Je regarde ça, là. Je pense qu'il serait temps que Nathan ait plus de responsabilités. Oh non! Ça veut dire qu'il va falloir que je recommence. Mais là, ça serait pas juste pour vous autres que Nathan continue de faire les mêmes tâches que l'an passé. Oh non, Claude, je peux pas tout recommencer le tableau. De toute façon, je m'en vais faire une randonnée avec Jeff cet après-midi. Mais voyons, t'as le temps de le finir avant de sortir. Mais de toute façon, Claude, ça donne rien tant que Marianne n'est pas revenue. Mais au rythme où tu travailles, Marianne a le temps de revenir 2 fois avant que t'aies terminé ton tableau. Claude, s'il te plaît, il fait super beau pis c'est une de mes dernières journées de vacances. Mais justement, profites-en pour t'en débarrasser. Plus vite tu vas le commencer, plus vite tu vas le finir. C'est les partitions de CD que tu m'as fait écouter l'autre matin. Tu sais, celle de l'American. Je vois pas son nom, le coin est comme déchiré. Billy Holiday. Ah, c'est ça. Moi, je pensais qu'il y avait juste des partitions de musique classique dans les affaires à ma mère. Mais oui, mais ce sont des classiques. Il y a des chansons immortelles là-dedans. Celle-là, là, quand je la chantais, là, mon père venait les larmes aux yeux. Pourtant, c'est pas vraiment une chanson triste. Il était pas triste, il était ému.
Hein? Il y a une montée là, dans la mélodie là, qui donne des frissons ben, quand t'es bien joué. Mm. Regarde les accords. Je vais commencer à l'apprendre avant de la jouer. Hein? Et quand tu la sauras, je vais la chanter avec toi. Hein? Génial! Tu pourrais peut-être la montrer à Constance après. Ben, c'est une bonne idée! Liman, est-ce que Constance est arrivée? Elle devrait pas tarder. Ah! Bonjour, Madame L'Espérance, vous allez bien? Tu peux m'appeler Jeannine. Oh, l'air de la campagne vous manque pas trop, Madame Jeannine? Vous vous sentez pas trop à l'étroit, je veux dire, avec la surpopulation de la maison? Non, 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 je dirais même que le changement d'air me fait le plus grand bien. M'ennuyais justement, là, de l'ambiance déchaînée des discothèques, là. C'est pas la peine de faire le ménage dans les partitions. Manolo voulait remettre à l'envers en deux temps, trois mouvements. On faisait pas le ménage, Alexis. On déterre des succès immortels, hein. C'est plein de vieilles tunes de jazz et de blues. C'est quoi, tu veux qu'on aille jouer dans une maison pour retraiter? Ah ben tiens, c'est une bonne idée, ça. Je suis là! Hey! Bonjour, Constance! Salut, les gars! Allô? Ça fait drôle, hein? Ça fait longtemps. Ouais. Ben oui, les bannis enfin réunis. Ouais. Bon, ben, on commence. J'ai juste une petite brassée, là, à partir, puis je suis prête, hein, puis très impatiente de vous entendre. Elle va assister à notre répétition? Ouais, c'est cool, hein? Bien dormi, mon grand? Mm-hmm. Tu viens de t'élever, là? Oui, pourquoi? Non, 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 pour rien comme ça. T'as pas eu de difficulté à dormir? Colin t'a pas trop dérangé? Non. Ça, c'est un des premiers symptômes. Quel symptôme? Ben, quand on se lève tard, quand on mange une montagne de toast une heure et demie avant le dîner, ça, c'est la preuve que t'es en train de vieillir, de te transformer en ado. Cool! Cool, hein? Et devenir un ado, ça veut dire avoir un peu plus de responsabilité, comme ranger sa chambre, faire la vaisselle. Je pense que ça veut dire qu'il proteste. T'es certaine? Parce que c'est pas très clair, là, hein? Oui, j'ai déjà entendu ça, hein? Manolo a eu exactement la même réaction quand Victoria lui a annoncé qu'il était en âge de participer aux tâches ménagères. Ah oui, mais c'était étouffé lui aussi? Non, là, mais il avait protesté en disant que c'était de l'abus parce qu'il trouvait que la maison était trop propre. C'est vrai, ça? Ah, c'est, tu trouves que la maison est trop propre? Ça veut dire que tu serais prêt à manger une de tes toasts sur le plancher de la cuisine? Attention, il va le faire. Vous êtes dégueu. Bon, maintenant que les preuves sont faites, on n'en parle plus. Tu t'es levé le dernier, tu ranges la cuisine. C'est pas juste! Tu vas voir, on s'habitue. Personne peut s'habituer à la torture. Oh, tu vas voir à la longue, les coups de fouet paraissent presque plus. Ça a été moins long que je pensais, finalement. C'est quoi? Ça, mon grand, c'est le nouveau tableau des tâches. Est-ce que je peux prendre congé, patron? Oh, bien sûr, jeune dame. Faut que je fasse tout ça! Puis deux jours de suite! Et je vais aller faire quand mes devoirs? Célina, hein? Si j'étais Manolo, je dirais... Perfection! Je suis déchirée, je ne veux que dormir et rêver. Je suis déchirée, mon amour et mon ami. Je ne sais plus qui je suis. C'est tous très bon. Et je vous avais entendu un petit peu entre les branches cet été, là, mais là, j'avoue que je suis impressionnée. Ben, merci. Vous aimez vraiment ça? Jeannine n'est pas de genre à faire des compliments juste pour faire plaisir. Je le pense vraiment. Vous trouvez pas ça trop... Lent? Ben, j'avoue que le tempo de la batterie dans le refrain pourrait être un petit peu plus dynamique.
plus dynamique. Je suis très dynamique. Ah, toi, oui, mais le tempo, lui, il pourrait être un petit peu plus fougueux. C'est vrai, ça, Alexis, on pourrait peut-être la signer un petit peu plus vite. Ouais, mais là, moi, je suis pas sûre de pouvoir être capable de suivre si on enchaîne le refrain un petit peu plus vite. Ah, ben, vous pourriez prendre une pause de deux temps, disons, là, juste avant d'attaquer le refrain. Mais oui, un peu milieu de la tonne, on arrête de jouer parce qu'on n'est pas assez bon pour enchaîner. C'est pas une question de pas être assez bon, là. Il y a plein de groupes qui font ça. Ah oui, ça donnerait du punch. Puis toi, Constance, là, ça permettrait de prendre le temps d'attaquer le refrain. Ah oui, comme dans l'exercice que vous m'avez montré l'autre soir au party? Ben oui, exactement. Ben, ça m'aide beaucoup, je le fais tous les jours. Janine aussi, elle les fait tous les matins. Ça réveille mieux que le chant du coq. Oh, puis j'ai aussi tellement envie de vous faire connaître une artiste là, que j'aime beaucoup. Elle avait un style très spécial. On en répète demain aussi. Ben, tu pourrais peut-être venir si tu veux. Oh, que ça va me faire plaisir. Hey, je vais chercher le CD tout de suite. Vraiment génial, ta grand-mère. Ben, ta demi-grand-mère. Elle connaît tous les genres de musique. Elle aime tout. Hein. Puis vous l'avez vu en plus, hein? Elle a su tout de suite ce qu'il fallait faire pour améliorer notre chanson. Qu'est-ce qui te dit qu'elle a pas confondu le bruit de la laveuse avec celui de la batterie? Tu sais, en vieillissant, on devient un petit peu dur de la feuille, hein? Alexis! Sourde ou assez zinzin pour triper sur de la musique qui m'aime plus de son âge. Pourquoi tu dis ça, là? C'est pas parce qu'elle est vieille qu'elle est pas cool. Cool? On parle de Madame Janine, là? Oui, de Janine. Coudonc, est-ce un problème aujourd'hui, Alexis Talbot? Non, tu vas pas me faire recommencer. Mais ça sera pas long, c'est toi-même qui me l'as dit. Excusez-moi, là, je voudrais pas vous déranger, mais Claude, t'aurais pas vu mon CD de Bessie Smith? Celui que tu prends toujours pour te maquiller les soirs de party? T'as raison, il doit être dans ma trousse de maquillage! Un CD dans sa trousse de maquillage. Oui, disons que ma mère a toujours eu sa méthode bien à elle pour ranger les choses. Ah, tu veux parler de la méthode dont t'as hérité? Oui, c'est ma mère. C'est... Bon, je disais que je trouve que Nathan a trop de tâches dans le tableau. Là. Je me souviens pas de t'avoir demandé de lui en mettre autant. Non, mais tu m'as dit de répartir les tâches de Marianne également. C'est ça que j'ai fait. Je veux pas que Nathan s'occupe des tâches de Marianne du tout, aucune, niette. Mais c'est toi qui as dit également. Je le sais, là, mais là, j'ai dit qu'il faut recommencer le tableau, hein? Faire comme si Marianne était là, là. Pas besoin de répartir les tâches dans le tableau, ça, on va le faire de vive voix. Là, ça donne quoi de faire un tableau si on va se dire de vive voix ce qu'on a à faire? C'est en prévision d'un retour à la normale quand Marianne va être là. Oh. J'étais encore là-dessus. Claude sait pas ce qu'il veut. Il arrête pas de me faire recommencer, là. Répartir les tâches de Marianne, pas répartir les tâches de Marianne. Je vais m'en occuper, moi, des tâches de Marianne. Ah ben non, maman, là, je t'ai invité à venir t'installer ici pour faciliter tes recherches d'un appartement, pas pour que tu t'occupes de la maison. Ben oui, mais j'occupe la chambre de Marianne. C'est normal que je prenne ce qui vient avec. La chambre de Marianne, les tâches de Marianne. Qu'est-ce que tu vas lui prendre après? Son chat? Ben, es-tu cute? Ben, es-tu cute? Vous pourriez demander à Colin de changer sa couche tout seul un coup parti? Il y a eu une erreur dans le tableau, Nathan. Une grosse erreur? J'ai failli faire une crise cardiaque. Alors, c'est pas si grave que ça, là. Célina est en train de faire les corrections. Mais je voulais prendre ma matinée relax, moi. Tiens, tiens, un autre symptôme. Pourquoi moi? J'ai juste 10 ans. Bientôt 11. Simon, lui, il a commencé quand? Je m'en souviens plus, Nathan. Tu veux plus t'en souvenir? Bon, là, je reviendrai pas sur ma décision, là. C'est à toi à ranger la cuisine, là. Il va falloir que tu l'acceptes. Oh, j'ai trouvé, finalement, dans la voiture. Ils travaillent tellement fort en bas, ils vont sûrement avoir un petit creux bientôt. Qu'est-ce que tu fais? Je prépare une petite collation pour nos musiciens. Yes! Je m'en occupe, grand-maman. Tu t'en occupes. Tu vois? J'accepte. Si tu le prends comme ça, je suis très heureux. Tiens. Maman. Ben. C'est comme ça qu'ils ont inventé les yogourts à boire. Puis c'est bien plus le fun avec une paille. Oh. Hmm. Pourquoi une assiette propre? Ben pourquoi pas? Prends celle-là.
Il y a juste des graines de toast dedans. Ah, c'est ton tour de vaisselle. Ouais. À 10 ans, il m'oblige à faire 2 tours de vaisselle par semaine. Mais j'ai pas dit mon dernier mot. Si au moins tu l'avais essayé pour vrai, là, tu pourrais dire que ça marche pas. C'est pas bon! T'es bouché, Alexis! Tu peux pas dire que c'est pas bon, personne peut le dire. On l'a même pas encore entendu. Vous allez pas recommencer, là! Je suis trop habitué de la jouer comme ça, puis je l'aime comme ça, notre compo. J'ai pas envie de la changer. Mais Manolo, il a raison, Alexis, là. Pourquoi ça tente pas d'essayer des nouvelles affaires? Comme celle-là, c'est plus des vieilles affaires que des nouvelles. Peut-être que Janine a raison. Peut-être que non aussi. C'est ce que je dis, t'es bouché. Hey, je suis pas bouché. J'ai juste pas envie de faire de la musique pour ta demi-grand-mère, c'est tout. Je trouve ça glauque. Ça me coupe toute mon inspiration. Pourquoi? Parce qu'elle est plus vieille que nous? C'est vrai que c'est pas une bonne raison, là, si elle aime ce qu'on fait. Moi, j'aime mieux quand on répète juste entre nous. On a souvent déjà répété devant du monde, là. Jean-Félix, Marianne, Chloé, Richard. Mais c'est vrai que moi aussi, j'aime mieux quand on est juste nous trois pour répéter. Là, tu nous as même pas demandé notre avis. Ouais. D'habitude, il faut se consulter là, avant d'inviter d'autres monde à notre répète. Là, on n'a pas le choix. Oui, mais elle connaît plein de choses en musique. C'est quoi, là, elle t'énerve? Mais non, c'est pas ça. C'est juste que je suis pas certain de la vouloir comme prof. Il a le droit, Manolo. Ben oui, il a le droit. Bon. À l'avenir, on se consulte, OK? Tu vas lui dire que la prochaine fois, on répète juste entre nous. Hé, hey, votre répétition est finie. Vous devez certainement avoir un petit creux. C'est une petite collation sans salir de vaisselle pour faire plaisir à Nathan. Un petit biscuit? Non, merci, pas pour moi. Ah, tiens, toi. Ben non, non, merci. C'est premier à ma mère de rentrer pour dîner. Ah, tiens. Ah, je vais en prendre un. Bon, mais on se voit demain, tous les trois. Ben oui, Manon, ça va te laisser le temps de régler des petites affaires, là. Bye! Bye. Ah, attendez, je vais aller vous reconduire jusqu'à la porte. Hein? Voyons donc. As-tu peur qu'ils se perdent? On avait pas dit que pour être plus écologique, on ferait la vaisselle à la main quand il y en a pas beaucoup? Tu trouves qu'il y en a pas beaucoup? Il y en a une tonne! C'est vrai, c'est toujours... Toujours trop propre. Toi aussi, tu trouves ça? Oui, mais c'est pas la vie des parents. Les parents, il faudrait se mettre en gang pour leur faire comprendre. Ouais. On devrait former un syndicat. Bonne idée. Le syndicat de la famille LLC. C'est de sa faute si mon nom est sur le tableau des tâches. Puis en plus, elle veut salir ma vaisselle. La grosse méchante, hein? Elle fait pas partie de notre gang. Ah non, c'est vrai, je suis beaucoup trop mature pour ça. Il faut se trouver un cri de ralliement pour notre syndicat. J'en connais un. Ça! Solidarité! Un syndicat, ça défend les droits des employés, pas ceux des membres d'une famille. C'est pour rire, Sylvain. Non. Je suis sûre que ça va marcher. Mais non, personne ne va vouloir faire partie de ton syndicat, Nathan. C'est vrai que ça fait pas très sérieux. Même si je te nomme président? Je serais curieuse de voir ça. Moi aussi. C'est ici pour déposer une plainte. Ça dépend du genre de plainte. Mes parents m'exploitent. Ils veulent que je fasse la vaisselle. J'ai pas rien à faire, moi. Et je vais à l'école aussi. Votre nom? Nathan L'Espérance. Je vois ici que vous n'avez pas l'âge pour déposer une plainte. Vous êtes en âge de faire ce qu'on vous dit de faire, monsieur. Allez, Nathan, va faire la vaisselle, OK? Non! Je suis pas certain que ça ferait l'affaire de Nathan, ça. Allez, Manolo, dis oui! Solidarité! Nathan, hein? S'occuper d'un syndicat, c'est pas mal plus difficile que de faire la vaisselle deux fois par semaine.
pas si c'est Manolo le président. Si j'étais président, là, t'aurais plus jamais à faire la vaisselle. Cool. Non, tu sortirais les poubelles à la place. À la place de Manolo, oui. Non, non, syndicat ou pas, faut que tout le monde mette la main à la pâte. On pourrait pas attendre jusqu'à ma fête. Mais là, Nathan, on réajustera pas le tableau des tâches à chaque anniversaire. Est-ce qu'il y a d'autres affaires plates comme ça qui viennent avec les 11 ans? Il y a des affaires plates, mais il y a des privilèges aussi. Pense aux privilèges. Mmh. Ça veut dire que je vais pouvoir réserver le sous-sol pour moi tout seul? Et demain, je vais leur faire écouter le CD de Bessie Smith. Moi, je suis certaine que ça va inspirer Constance. Ça sera peut-être pas le bon moment, finalement. On avait prévu une grosse répétition. Ben, c'est une raison de plus. Juste un petit 10 minutes, là, comme ça, avant de commencer à répéter, ça va vous donner du jus. On peut peut-être l'écouter maintenant. Je leur ferai un petit résumé demain. Tu veux résumer de la musique? Je sais pas. Je peux essayer. La musique, c'est... Ça se traduit difficilement en mots. C'est un langage différent. C'est vrai. T'avais pas quelque chose à régler, toi? Oh ouais, mais c'est pas urgent. Hey, je suis tombé sur une émission de radio pas mal cool hier. Et sur Internet, on a accès à des postes indiens, allemands, chinois. Ils ont pas aimé mes petites suggestions. Ben... Je te promets d'être plus discrète demain. C'est pas ça, c'est... Ils préfèrent qu'on répète seul. Entre Benny. Je comprends, mon grand. Mais là, ça change rien entre nous, hein. Moi, j'aime ça quand on tripe musique ensemble. Ben, on va triper encore, c'est sûr. On tripe tout de suite, sais-tu qu'on l'écoute? OK. OK. Y a autre chose. J'aurais aimé ça que mes amis t'acceptent dans le groupe. Ben, peut-être pas dans le groupe, là, mais au moins comme conseillère. Je fais déjà partie de la plus belle famille du monde. C'est amplement satisfaisant. On se compose une chanson, OK? Juste comme ça, là, nous deux. Ah, ben, écoute, on écoute le CD d'abord, là, pour se donner un peu de jus, puis on compose ensuite. Quelque chose qui bouge, qui rock. Ouais, quelque chose qui déplace de l'air. Yes! Yes! Vérification avant que je me transforme en bureau des plaintes. Bon, ceci est un nouveau système entièrement conçu par moi et très efficace, hein, avec différents symboles, différentes couleurs. Interchangeable en plus. Mm-hmm. Oui, tu pourras te vanter d'avoir fait appel à une fille qui a un brin de génie. J'en ai jamais douté. Ouais, comme ça, le tableau est conçu pour au moins les 20 prochaines années. Ah, jusqu'à ce que Colin soit majeur et même plus. Oh non, j'ai oublié Colin. Là, regarde, ça peut attendre. Bon, ben, je peux aller rejoindre Jean-Félix? Ah, jeune dame, mission accomplie. Vous êtes libre jusqu'à ce que Colin soit grand. Merci, patron. Charge du plus important. Allô, GF? Qu'est-ce
qu'est-ce que tu dirais d'aller au cinéma aujourd'hui? Ah oui! OK, parfait. Assez simple, mais pas très réaliste. Je regarde ça, là, je pense qu'il serait temps que Nathan ait plus de responsabilités. Oh non! Ça veut dire qu'il va falloir que je recommence. Mais là, ça serait pas juste pour vous autres que Nathan continue de faire les mêmes tâches que l'an passé. Non, Claude, je peux pas tout recommencer le tableau. De toute façon, je m'en vais faire une randonnée avec Jeff cet après-midi. Mais voyons, t'as le temps de le finir avant de sortir. Mais de toute façon, Claude, ça donne rien tant que Marianne n'est pas revenue. Mais au rythme où tu travailles, Marianne a le temps de revenir deux fois avant que t'aies terminé ton tableau. Claude, s'il te plaît, il fait super beau pis c'est une de mes dernières journées de vacances. Mais justement, profite-en pour t'en débarrasser. Plus vite tu vas le commencer, plus vite tu vas le finir. C'est les partitions de CD que tu m'as fait écouter l'autre matin. Tu sais, celle de l'Américaine. Je vois pas son nom, le coin est comme déchiré. Billy Holiday. Ah, c'est ça. Moi, je pensais qu'il y avait juste des partitions de musique classique dans les affaires à ma mère. Mais oui, mais ce sont des classiques. Il y a des chansons immortelles là-dedans. Celle-là, là, quand je la chantais, là, mon père venait les larmes aux yeux. Pourtant, c'est pas vraiment une chanson triste. Il était pas triste, il était ému. Hein? Il y a une montée là, dans la mélodie là, qui donne des frissons ben, quand t'es bien joué. Mm. Regarde les accords. Je vais commencer à l'apprendre avant de la jouer. Hein? Et quand tu la sauras, là, je vais la chanter avec toi. Hein? Génial! Tu pourrais peut-être la montrer à Constance après. Ben, c'est une bonne idée! Liman, est-ce que Constance est arrivée? Elle devrait pas tarder. Ah! Bonjour, Madame L'Espérance, vous allez bien? Tu peux m'appeler Jeannine. Oh, l'air de la campagne vous manque pas trop, Madame Jeannine? Vous vous sentez pas trop à l'étroit, je veux dire, avec la surpopulation de la maison? Non, je dirais même que le changement d'air me fait le plus grand bien. M'ennuyais justement, là, de l'ambiance déchaînée des discothèques, là. Tiens. Ben, c'est une raison de plus. Juste un petit 10 minutes, là, comme ça, avant de commencer à répéter, ça va vous donner du jus. On peut peut-être l'écouter maintenant, je leur ferai un petit résumé demain. Tu veux résumer de la musique? Je sais pas, je peux essayer. La musique, c'est... ça se traduit difficilement en mots, c'est un langage différent. C'est vrai. T'avais pas quelque chose à régler, toi? Oh, ouais, mais c'est pas urgent. Hey, je suis tombé sur une émission de radio pas mal cool hier. Sur Internet, on a accès à des postes indiens, allemands, chinois. Ils ont pas aimé mes petites suggestions. Ben... Je te promets d'être plus discrète demain. C'est pas ça, c'est... Ils préfèrent qu'on répète seul. Entre Benny. Je comprends, mon grand. Mais là, ça change rien entre nous, hein? Moi, j'aime ça qu'on tripe musique ensemble. On va triper encore, c'est sûr. On va triper tout de suite, si tu veux, on l'écoute. OK. OK. Y a autre chose. J'aurais aimé ça que mes amis t'acceptent dans le groupe. Mais, peut-être pas dans le groupe, là, mais au moins comme conseillère. Je fais déjà partie de la plus belle famille du monde. C'est amplement satisfaisant. On se compose une chanson, OK? Juste comme ça, là, nous deux. Ben, écoute, on écoute le CD d'abord, là, pour se donner un peu de jus, puis on compose ensuite. Quelque chose qui bouge, là, qui rock. Ouais, quelque chose qui déplace de l'air. Yes! Yes! Vérification avant que je me transforme en bureau des plaintes. Bon, ceci est un nouveau système entièrement conçu par moi et très efficace, hein, avec différents symboles, différentes couleurs... Interchangeable en plus. Mm-hmm. Oui, tu pourras te vanter d'avoir fait appel à une fille qui a un brin de génie. J'en ai jamais douté. Ouais, comme ça, le tableau est conçu pour au moins les 20 prochaines années. Ah, jusqu'à ce que Colin soit majeur et même plus. Oh non, j'ai oublié Colin. Là, regarde, ça peut attendre. Bon, ben, je peux aller rejoindre Jean-Félix? Ah, jeune dame, mission accomplie. Vous êtes libre jusqu'à ce que Colin soit grand. Mm. Merci, patron. Mmh.
Ouais, mais c'est pas urgent. Hey, je suis tombé sur une émission de radio pas mal cool hier. Et sur Internet, on a accès à des postes indiens, allemands, chinois. Ils ont pas aimé mes petites suggestions. Ben... Je te promets d'être plus discrète demain. C'est pas ça, c'est... Ils préfèrent qu'on répète seul. En banni. Je comprends, mon grand. Mais là, ça change rien entre nous, hein? Moi, j'aime ça quand on tripe musique ensemble. Ben, on va triper encore, c'est sûr. On tripe tout de suite, si tu veux qu'on l'écoute. OK. OK. Y a autre chose. J'aurais aimé ça que mes amis t'acceptent dans le groupe. Mais peut-être pas dans le groupe, là, mais au moins comme conseillère. Je fais déjà partie de la plus belle famille du monde. C'est amplement satisfaisant. On se compose une chanson, OK? Juste comme ça, là, nous deux. Ah, ben, écoute, on écoute le CD d'abord, là, pour se donner un peu de jus, puis on compose ensuite. Quelque chose qui bouge, là, qui rock. Ouais, quelque chose qui déplace de l'air. Yes! Yes! Vérification avant que je me transforme en bureau des plaintes. Bon, ceci est un nouveau système entièrement conçu par moi et très efficace, hein, avec différents symboles, différentes couleurs. Interchangeable en plus. Mm-hmm. Oui, tu pourras te vanter d'avoir fait appel à une fille qui a un brin de génie. J'en ai jamais douté. Ouais, comme ça, le tableau est conçu pour au moins les 20 prochaines années. Ah, jusqu'à ce que Colin soit majeur et même plus. Oh non, j'ai oublié Colin. Là, regarde, ça peut attendre. Bon, ben, je peux aller rejoindre Jean-Félix? Ah, jeune dame, mission accomplie. Vous êtes libre jusqu'à ce que Colin soit grand. Merci, patron. Tu la sauras, là, je vais la chanter avec toi. Hein? Génial! Tu pourrais peut-être la montrer à Constance après. Ben, c'est une bonne idée! Salut, man! Est-ce que Constance est arrivée? Elle devrait pas tarder. Ah! Bonjour, Madame l'Espérance, vous allez bien? Tu peux m'appeler Jeannine. Oh, l'air de la campagne vous manque pas trop, Madame Jeannine? Vous vous sentez pas trop à l'étroit, je veux dire, avec la surpopulation de la maison? Non, 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 je dirais même que le changement d'air me fait le plus grand bien. M'ennuyais justement, là, de l'ambiance déchaînée des discothèques, là. Ftou, 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 ftou. C'est pas la peine de faire le ménage dans les partitions. Manolo veut les remettre à l'envers en deux temps, trois mouvements. On faisait pas le ménage, Alexis. On déterre des succès immortels, hein. C'est plein de vieilles tunes de jazz pis de blues. C'est quoi, tu veux qu'on aille jouer dans une maison pour retraiter? Ah ben tiens, c'est une bonne idée, ça. Je suis là! Hey! Constance! Salut les gars! Allô! Ça fait drôle, hein? Ça fait longtemps. Ouais. Ben oui, je l'ai banni, enfin réuni. Ouais. Bon, ben, on commence. J'ai juste une petite brassée, là, à partir, puis je suis prête, hein, puis très impatiente de vous entendre. Elle va assister à notre répétition? Ouais. C'est cool, hein? Bien dormi, mon grand? Mm-hmm. Tu viens de te lever, là? Oui, pourquoi? Non, 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 pour rien comme ça. T'as pas eu de difficulté à dormir? Colin t'a pas trop dérangé? Non. Ça, c'est un des premiers symptômes. Quel symptôme? Ben, quand on se lève tard, quand on mange une montagne de toast une heure et demie avant le dîner, ça, c'est la preuve que t'es en train de vieillir, de te transformer en ado.
Cool. Cool, hein? Et devenir un ado, ça veut dire avoir un peu plus de responsabilité, comme ranger sa chambre, faire la vaisselle. Pour vrai? Je pense que ça veut dire qu'il proteste. T'es certaine? Parce que c'est pas très clair, là, hein? Oui, j'ai déjà entendu ça, hein? Manolo a eu exactement la même réaction quand Victoria lui a annoncé qu'il était en âge de participer aux tâches ménagères. Ah oui, mais c'était étouffé lui aussi? Non, là, mais il avait protesté en disant que c'était de l'abus parce qu'il trouvait que la maison était trop propre. C'est vrai, ça? Ah, c'est, tu trouves que la maison est trop propre? Ça veut dire que tu serais prêt à manger une de tes toasts sur le plancher de la cuisine? Attention, il va le faire. Vous êtes dégueu. Bon, maintenant que les preuves sont faites, on n'en parle plus. Tu t'es levé le dernier, tu ranges la cuisine. C'est pas juste! Tu vas voir, on s'habitue. Personne peut s'habituer. Non. Ça, c'est un des premiers symptômes. Quel symptôme? Ben, quand on se lève tard, quand on mange une montagne de toast une heure et demie avant le dîner, ça, c'est la preuve que t'es en train de vieillir, de te transformer en ado. Cool! Cool, hein? Et devenir un ado, ça veut dire avoir un peu plus de responsabilité, comme ranger sa chambre, faire la vaisselle. Pour vrai? Je pense que ça veut dire qu'il proteste. T'es certaine? Parce que c'est pas très clair, là, hein? Oui, j'ai déjà entendu ça, hein? Manolo a eu exactement la même réaction quand Victoria lui a annoncé qu'il était en âge de participer aux tâches ménagères. Ah oui, mais c'était étouffé lui aussi? Non, là, mais il avait protesté en disant que c'était de l'abus parce qu'il trouvait que la maison était trop propre. C'est vrai, ça? Ah, c'est, tu trouves que la maison est trop propre? Ça veut dire que tu serais prêt à manger une de tes toasts sur le plancher de la cuisine? Attention, il va le faire. Vous êtes dégueu. Bon, maintenant que les preuves sont faites, on n'en parle plus. Tu t'es levé le dernier, tu ranges la cuisine. C'est pas juste! Tu vas voir, on s'habitue. Personne peut s'habituer à la torture. Oh, tu vas voir à la longue, les coups de fouet paraissent presque plus. Ça a été moins long que je pensais, finalement. C'est quoi? Ça, mon grand, c'est le nouveau tableau des tâches. Est-ce que je peux prendre congé, patron? Oh, bien sûr, jeune dame. Faut que je fasse tout ça! Puis deux jours de suite! Et je vais aller faire quand mes devoirs? Célina, hein? Si j'étais Manolo, je dirais... Perfection! Je suis déchirée, je ne veux que dormir et rêver. Je suis déchirée, mon amour et mon ami. Je ne sais plus qui je suis. Tous très bons. Et je vous avais entendu un petit peu entre les branches cet été, là, mais là, j'avoue que je suis impressionnée. Ben, merci. Vous aimez vraiment ça? Jeannine n'est pas de genre à faire des compliments juste pour faire plaisir. Je le pense vraiment. Vous trouvez pas ça trop... Lent? Ben, j'avoue que le tempo de la batterie dans le refrain pourrait être un petit peu plus... Syndicat de la famille LLC. C'est de sa faute si mon nom est sur le tableau des tâches. Puis en plus, elle veut salir ma vaisselle. La grosse méchante, hein? Elle, a fait pas partie de notre gang. Ah non, c'est vrai, je suis beaucoup trop mature pour ça. Il faut se trouver un cri de ralliement pour notre syndicat. J'en connais un. So! Solidarité! Un syndicat, ça défend les droits des employés, pas ceux des membres d'une famille? C'est pour rire, Sylvain. Non. Je suis sûre que ça va marcher. Mais non, personne ne va vouloir faire partie de ton syndicat, Nathan. C'est vrai que ça fait pas très sérieux. Même si je suis un homme président? Je serais curieuse de voir ça. Moi aussi. C'est
viens ici pour déposer une plainte. Ça dépend du genre de plainte. Mes parents m'exploitent. Ils veulent que je fasse la vaisselle. J'ai pas rien que ça à faire, moi. Et je vais à l'école aussi. Votre nom? Nathan L'Espérance. Je vois ici que vous avez pas l'âge pour déposer une plainte. Vous êtes en âge de faire ce qu'on vous dit de faire, monsieur. Allez, Nathan, là, va faire la vaisselle, OK? Non! Je suis pas certain que ça ferait l'affaire de Nathan, ça. Allez, Manolo, dis oui! Nathan, hein? S'occuper d'un syndicat, c'est pas mal plus difficile que de faire la vaisselle deux fois par semaine. Pas si c'est Manolo le président. Si j'étais président, là, t'aurais plus jamais à faire la vaisselle. Cool. Non, tu sortirais les poubelles à la place. À la place de Manolo, oui. Non, non, syndicat ou pas, faut que tout le monde mette la main à la pâte. On pourrait pas attendre jusqu'à ma fête. Mais là, Nathan, on réajustera pas le tableau des tâches à chaque anniversaire. Est-ce qu'il y a d'autres affaires plates comme ça qui viennent avec les 11 ans? Il y a des affaires plates, mais il y a des privilèges aussi. Pense aux privilèges. Mmh. Ça veut dire que... je vais pouvoir réserver le sous-sol pour moi tout seul? Et demain, je vais leur faire écouter le CD de Bessie Smith. Moi, je suis certaine que ça va inspirer Constance. Ça sera peut-être pas le bon moment, finalement. On avait prévu une grosse répétition. Ben, c'est une raison de plus. Juste un petit 10 minutes, là, comme ça, avant de commencer à répéter, ça va vous donner du jus. On peut peut-être l'écouter maintenant. Je leur ferai un petit résumé demain. Tu veux résumer de la musique? Je sais pas. Je peux essayer. La musique, c'est... ça se traduit.